10 ans déjà que l'association humanitaire Regard du Cœur, centre yétain situé dans la commune d'Avrancourt, arrondissement de Gbozoumen, est au service de la protection, de l'hébergement et de la réinsertion des enfants en situation difficile, filles comme garçons de 8 à 16 ans. Et pour marquer ces 10 ans, plusieurs activités sont au menu, dont la première est une caravane à travers l'arrondissement où siège le centre yétain. Occasion pour les responsables et partenaires du centre de rappeler les raisons de cette initiative. Tous ceux qui participent à ce projet, nous avons une réelle sensibilité de se pencher vers les gens démunis. Donc, en France, il y a des gens démunis, mais on a déjà une organisation pour cela. Ici, il y avait tout à faire, tout à créer. Et nous avions tout à fait le profil pour aider nos partenaires béninois, aider les enfants qui sont ici et faire que ce soit un centre extrêmement accueillant et adapté à ces enfants qui ont besoin de se reconstruire, d'être protégés, d'aller à l'école, d'apprendre un métier. Et nous, ça nous intéressait particulièrement. Je dis nous parce que je n'ai pas été toute seule, bien évidemment. Nous étions un ensemble de personnes, ici il y en a quelques-uns présents aujourd'hui, et il y en a eu bien d'autres, parce que moi j'étais la responsable d'action. Pour l'heure, les activités se poursuivront ce samedi 23 novembre 2019, avec à la clé une messe d'action de grâce, suivie de réjouissance.